Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment vous vous entraînez chez vous sans matériel en confinement. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le coronavirus. Là, on est lundi. Ce soir, le président de la République va parler, il va sûrement prendre des décisions de confinement. Depuis samedi soir minuit, toutes les salles de musculation sont fermées. Dans ma dernière vidéo, je vous conseillais d'investir dans des haltères ou des élastiques pour pouvoir vous entraîner un minimum chez vous. Mais là, je fais cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de s'équiper. Donc je sais que vous êtes nombreux à essayer de trouver du matériel sur le bon coin. Mais voilà, si on est en confinement, il faudra éviter de bouger et de se déplacer. Du coup, là, je vous fais une petite vidéo sur comment vous entraîner au poids du corps. Ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler en full body. Comme c'est au poids du corps, vous pouvez faire pas mal de répétitions. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est en plus du full body, travailler ça en superset. Donc par exemple, vous commencez votre séance par des exercices de tirage pour le dos. Donc faites une série pour le dos et tout de suite vous enchaînez sur une série pour les pecs, comme des pompes. Après, pareil au niveau des bras. Vous pouvez voir, pour les biceps, il n'y a pas beaucoup d'exercices. Ça travaille aussi avec les pompes, mais vous pouvez travailler avec le même exercice que pour le dos. Donc, en mettant vos mains en supination, en attrapant le manche à balai bloqué dans les chaises. Et là, par contre, au lieu de venir tirer avec le dos, là, vous allez vraiment venir à la force des biceps. Donc, vous faites
un exercice biceps et tout de suite vous enchaînez sur un exercice triceps. Alors comme je vous disais, les pompes, ça va travailler les pecs, ça va travailler un peu le devant de l'épaule, ça va travailler aussi les biceps. Si vous venez faire des pompes serrées en formant un triangle avec les doigts, là vous allez travailler en plus aussi les triceps. Donc bien sûr, il y a d'autres exercices à faire, mais là c'est déjà suffisant pour vous faire une petite séance full body. Moi je serai vous, je ferai l'exercice de dos. Donc je ferai exercice de dos en supination, en tirant, en superset avec des pompes classiques, un écartement standard. Vous faites ça 3 à 4 séries. Après, vous enchaînez sur toujours un exercice dos, mais avec les mains en pronation, donc les paumes vers l'avant. Là, vous allez venir vraiment tirer comme ça avec le dos. Vous enchaînez sur des séries de pompes, mais prise serrée. Donc, ça va retravailler les pecs, mais en même temps les triceps. Ça va fatiguer un peu vos triceps. Après, vous enchaînez sur les biceps. Donc les biceps, vous reprenez le manche à balai, vous allez prendre une prise un peu plus serrée du coup, les mains en supination, et là vraiment se lever qu'à la force des biceps. Après les biceps, vous pouvez enchaîner sur un des deux exercices de triceps avec la chaise. Donc le moins casse-gueule, c'est sur une chaise, donc avec les mains en arrière, comme vous pouvez le voir sur les images de toute façon que je vous ai filmé. Et vous pouvez faire des dips avec les deux chaises, mais regardez bien que vos chaises soient bien stables. Pareil, le manche à balai, contrôlez bien que vos chaises sont bien stables et que votre manche est suffisamment solide, parce que ça serait con qui casse et que vous vous retrouvez à terre quoi. Le but du confinement, c'est de pas se blesser non plus. Une fois que vous aurez fait ça, ce qui est déjà pas mal, vous pouvez enchaîner sur des squats, donc sans poids, ou sur des squats sur une jambe, mais pareil, c'est un peu casse-gueule, faut de l'équilibre. Moi, je préfère les squats classiques. Je vous ai pas filmé là, mais pareil, vous pouvez faire des fentes avant aussi pour les jambes. Après les mollets, je vous ai pas filmé non plus, mais vous pouvez vous mettre sur une marche d'escalier et juste faire des extensions de mollets sur une jambe. Ça vous fait porter votre poids de corps, c'est pas mal. Vous faites des séries de 25, vous allez voir, ça crame pas mal quand même. Et finir par des abdominaux. Donc je vous ai mis quelques exercices d'abdominaux qui ciblent des parties des abdos différentes. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Après, je suis pas un expert en la matière. J'ai pas mal travaillé avec la méthode Laffey à un moment où j'étais blessé, que j'utilisais plus de poids. Donc je vous conseille, si vous voulez d'autres programmes, profitez-en, regardez sur internet, vous aurez le temps. Donc, alors ce soir, si notre président annonce du confinement, sûrement que j'arrêterai de travailler. Là, à l'heure actuelle, je me rends encore à mon travail. Et, donc, si on est en confinement, ben, je pourrais vous faire éventuellement plus de contenu. Parce qu'en même temps, si tout le monde est confiné, ça occupera, ça pourra vous permettre de vous occuper, de regarder des vidéos YouTube. J'essaierai d'avoir des contenus quand même intéressants. Prochainement, je vais sortir mes vidéos de training. J'ai un nouveau programme en PPL. C'est Mikoser, je me suis inspiré de son programme et il m'a aidé à le personnaliser. Donc, je vous en ferai des vidéos. Je pourrais vous faire des vidéos de diète. Voilà, je ne vais pas vous promettre de faire une vidéo par jour. Je crois que ça sera un peu de trop. Ça sera sûrement une tous les deux jours. On va essayer. Surtout, garder la forme. Même si c'est une période très anxiogène, lâchez-vous pas sur la bouffe, essayez de garder une alimentation équilibrée. N'oubliez pas que l'alimentation, c'est notre premier médicament, donc c'est notre première barrière contre ce virus. L'activité physique aussi, donc restez en forme, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. À titre d'information, cette vidéo, je la fais parce que dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube, j'ai posé la question et plusieurs personnes étaient intéressées pour que je la fasse. Donc c'est pour ça que je la fais. Donc abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez voir
des questions des fois que je pose comme ça à ma communauté. Ça peut être intéressant. Et je vous dis à bientôt les brutes, sur Sport Brutal.